Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming pour ce 21e épisode sur Styx Master of Shadow. On n'en finit plus avec ce jeu. Mais je le trouve tellement bien que ça ne te dérange pas. Voilà, bon alors qu'est-ce qu'on faisait? On est toujours à la recherche de Kerberus, qu'on doit trouver avant notre double Styx. Alors bon, je vais essayer de progresser un peu vite, mais bon, j'ai plus qu'un couteau de lancer. Et l'autre, j'ai pas l'impression qu'il bouge. Non. Le gros rouge, là, il bouge pas. Donc on va ressortir. J'ai deux frères inquisiteurs, ici. Alors c'était là où je suis mort à la fin de la partie, évidemment. Oh putain. Mais merde. Monster forward. Je m'en fous du corps. Il a porté le corps alors que j'en avais rien à foutre, donc je vais tuer le travailleur et je vais le balancer. Et j'ai oublié de mettre mon chrono comme d'habitude. Allez, bon, on va dire qu'on commence l'épisode maintenant. On n'a rien vu. Bon, de toute façon, j'ai pas fait grand chose, vous me direz. Ouais, j'avais commencé donc par faire l'aile où j'étais là. Donc on va pas se disperser, on va continuer par là, même si les contrebandiers sont par ici. Voilà, vers contrebandier. L'inquisiteur là, j'ai tellement envie de lui faire la peau d'ici. Vers la gauche, je l'ai vu. Je la dégage. Je vous ai hâte. Oh, shit! This one's for me! Grab it! No! You're already dead. You know that. Merde. Oh, il lui en faut pas mal des coups à lui là. T'es chier. J'étais bien, hein. J'étais putain de bien, mais alors il sort d'une cellule lui. Il sort d'une cellule, ce qui fait que ce serait peut-être plus pratique de le buter en premier. Vu que le premier inquisiteur que j'ai buté, il y a le travailleur qui m'a vu, donc peut-être plus judicieux de poursuivre le premier. Alors il est sorti d'une cellule, enfin d'une petite salle, je pense pas que ce soit une cellule ici, hein. On n'est plus dans les prisons, on y est resté tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est une cellule. Là-bas, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. She will see up to. Il m'a vu, mais au dernier moment. Voilà, et le dernier, on va s'en charger tranquillou, bilou. Ah putain, il avait une seule de vie, ça par contre, c'est con.
Oui, j'aurais pu faire assassinat direct, mais je ne fais pas avec ça. Voilà. Allez. Plouf. J'éteins tout. Lui. Plouf. Bon. Et lui. Pourquoi se faire chier à utiliser des fioles de... Comment on appelle ça? D'acide. Alors qu'on peut les... Alors qu'on peut les faire disparaître comme ça. Voilà. Ici. Oh putain. Ah, il y a des insectes en bas. Il faut espérer que les mecs ils voient pas le cadavre tomber, ce serait con pour moi. Là, il y a une médaille. Hein. Okay, c'est bizarre ce gros bloc au fond là derrière les cages. Enfin, derrière la grille plutôt, les cages. N'importe quoi, KO! Ici, il n'y a plus rien. Très bien. Et là-bas, c'est là où il y a les contrebandiers. Ce que je vais faire... Ah, remarque, il y a une sauvegarde auto si je vais... si je vais directement... ouais. Déjà, on va sauvegarder comme ça, parce que j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai buté tout le monde de toute façon, à part ceux d'en haut là. J'ai oublié ceux d'en haut. Ok. Donc si je vais par là, voilà. Comme ça au moins je suis sûr de pas me faire avoir. Donc si je vais par là, c'est là où il y a les contrebandiers. Il y a un couteau. Parfait. Alors. I wonder if one day the old fool will find what he's looking for. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's and us, well, isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well, we're aware of it. Shit! Bon. Je vois pas de médaillon sur la table. De toute façon, je me demande si on peut y accéder là-dedans, je ne pense pas. Alors du coup, j'ai un nouvel objectif, c'est... Ah, encore des contrebandiers. J'espère que je les ai pas tués. Donc j'ai une sauvegarde auto, très bien. Ah bah c'est là d'où je viens. Oi, Baldwin. You're the one who feeds Querberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I better discreetly follow this Baldwin. Oh la la, non! Ah bah oui, évidemment, j'ai laissé au taquet de cadavres, donc forcément. Super, j'ai un inquisiteur qui vient en plus.
travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a foutu là, lui? J'ai tué tout le monde ici. Ah ouais, c'est, je l'avais oublié celui-là. Ouais, j'avais un passage ici. Hop, 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 et hop. Alors, il revient par là-bas. Est-ce qu'il fait comme dans les Assassin's Creed, il regarde en arrière? J'ai pas l'impression. C'est bien, il revient aux endroits où j'étais avant. Là, il y a que les deux abrutis qui montent la garde. Évidemment, ils reviennent par là. On va attendre. Parfait, allez. Oui, je bois du café en même temps, comme ça au moins. Un petit passage secret. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok. Ça m'arrange que ce soit par là, hein, d'un côté, hein. Kerberus, 40 mètres. So this is where they're holding Kerberus. I got to get him out, alive. Oh, Kerberus, I brought you your pistol. Hmm. Yes, yes, that's it, as you want. Fool. Kerberus. Est-ce que je dois le buter, l'autre, là? Oh, les passages secrets de fou, quoi. Hop, comme ça, c'est fait. Waouh! C'est gigantesque, ici! Voir le petit là, je vais essayer d'inspecter les lieux autant que possible. Waouh, c'est glauque. Bon bah. Pleine. Ah, il y a une fiole de vie, parfait. Bon, bah, allons le voir. De toute façon, s'il y a tout ça. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you. I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh no, I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning,
but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Évidemment. C'était sûr. C'était sûr. Planck contre bandier. Bon, bah voilà. Et puis tant qu'on en parlait de ce Kerberus. De vie, j'en ai. Ah ouais, c'est la première que j'ai. Putain, ouais. C'est compliqué là. Bon. Ah ouais, je peux pas remonter. Ça fait un peu haut là le Dawa. Bon, alors. Ouais, elle brûle tout à un moment donné, mais alors... Ah merde, j'étais pas loin. Ah, ça va être pénible ça, parce qu'il n'y a pas de, plan si vous voulez sur la façon dont ces trucs rebrûlent. J'ai l'impression que celui du milieu est quand même un petit peu plus actif, enfin moins actif je veux dire. Je vais essayer de grimper sur la croix directement. Voilà. Parfait. Avant de partir, je vais prendre une fiole d'ambre. Voilà. Parfait. Pourquoi j'ai deux Kerberus là? Ah d'accord. Je peux lui parler en plus. Ah d'accord. Ah ouais non, j'avais pas compris ça comme ça du tout. Ok, très bien. Ah ouais, c'est la première fois que je vais escorter quelqu'un. Ah, attendez, hop. Ça, c'est chaud, par contre. Hein. Parce que déjà, quand on doit surveiller notre propre personne, c'est compliqué. Alors, il y a l'autre qui nous a vu qui est en train de pioncer. Du coup, il s'arrête... Allez, Kerberus.
Ah non, c'est vrai, faut pas que je fasse comme ça, je suis con. Faut que j'aille lui parler de là où il est pour qu'il passe en premier, c'est vrai. Je pensais qu'on pouvait l'appeler de l'endroit où il pouvait se poser, en fait. Donc non. Compliqué, ça. Allez, c'est parti. Parfait. Pas trop de soucis. On va l'avancer au maximum jusqu'à que je me débrouille tout seul après. Au cas où je peux faire qu'ils fassent demi-tour eux. Même si c'est pas forcément des menaces maintenant. Ici j'ai tout fait. Donc, on va l'avancer encore une fois. Voilà. Alors par où il veut passer? Par là. J'en ai tué un tout à l'heure. Allez, c'est parti, viens par là. Planque. J'ai les contrebandiers à aller voir aussi avant. J'ai toute l'aile d'après à m'occuper. Allez, on va le laisser là pour l'instant. Hop, petite sauvegarde rapide. On va le laisser là, il faut que je revienne le voir. On va s'occuper des contrebandiers. Ah, ils sont tout en bas, c'est les deux qui discutaient depuis un petit moment là, d'accord. Alors du coup, la seule façon d'aller jusqu'ici, le seul pont qu'il y a de toute façon, c'est celui-là. Donc... lui, on va le laisser là pour l'instant et on va tâcher de nettoyer un petit peu tout ce bazar. Ouais, il y a lui, bah alors lui, il va m'emmerder comme pas possible. Waouh, il y a du monde de partout. Là, il n'y a pas de lustre, il n'y a rien de tout ça ici. Hein. Et puis leur garde, elle est symétrique, ce qui fait que je peux pas forcément pousser notre ami en rouge là, qui est de dos. Je vais quand même essayer. Ah ouais, mais quand je fais une action, pas vers Kerberus. Ah, faut pas qu'il monte, hein, surtout pas. Ah, putain, il monte, les salauds. Il y en a un qui monte. J'espère qu'ils vont pas le voir, sinon je suis foutu. Attends, il y en a un qui vient vers moi là. Faut qu'il abandonne l'autre là. Aïe 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 aïe, c'est celui d'en haut qui me fait peur. Oh shit!
Ah ouais, mais c'était un gros. C'était un gros. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu voir s'il était à côté de Kerberus ou pas, mais j'ai bien fait de pas l'avancer. Mais j'étais pas sûr qu'il allait abandonner le bougre. Donc ouais, bon, le pousser, l'autre, c'est pas forcément la solution. Donc il faut que je trouve autre chose. Par contre, je vois vraiment pas ce que je peux faire là, pour passer avec les deux gros aux armures là. Donc Kerberus. Ok, j'avais sauvegardé ici, parfait. Ouais, cette salle là, elle va être horrible. Parce que par là, ouais, je peux pas y aller et j'ai pas d'autre pont, si je puis dire. Par contre, je peux pousser avec mon clone. Oh shit! It's a relax! A monster! Eh non, je peux pas le pousser. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Tour de garde est toujours aussi bon. Fait chier. Là, ça va être dur. Hein. Pas de lustre, y a rien. J'ai la planque pas loin. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. J'ai un médaillon juste devant l'inquisiteur, j'ai l'impression. C'est dingue. Et si c'est un coffre ça ou pas? Je me demande si c'est un coffre. Ah oh, mais il passe pas à côté. J'allais dire en piégeant un coffre. Ça peut peut-être le faire, mais... Ah ouais, j'ai l'autre, là. Oh. Les mecs, ça va être dur, ça va être dur. Non mais c'est quoi cette salle méga bien gardée là? Il garde quoi là? C'est dingue. Et en plus, c'est les gros chevaliers. Parce qu'encore, il n'y aurait pas les deux qui tourneraient. J'aurais que l'inquisiteur et le gros rouge. Ça passerait. Mais alors là... Compliqué, hein. Et ouais, je peux pas... Comment on appelle ça? Attendez, faites voir un truc. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ici? Bien le pousser quand même lui hein. Ou alors je m'en débarrasse en lui balançant un couteau. Allez. He's been killed.
body here. Voilà. Là, franchement, d'une autre façon, je ne vois pas. Et j'ai ces insectes aussi à la con après. On a combien là? 28 minutes. Une fois qu'ils auront laissé tomber. Il y en a un qui a laissé tomber. Deux. Trois. Et quatre. Oh putain, il s'est retourné. Vraiment ric-rac. Et du coup, il regarde vers là-bas, lui. Histoire de pas m'arranger du tout. Le sable. Et c'est bon, tout le monde l'a vu déjà. Oh merde. Wait and see, my friend. I'll find you. Come here, you stinking rat. Pourquoi je peux pas le... Don't lose sight of it. Oh putain. You'll be sorry if I find you, you little green skin. Ah, c'est dégueulasse. Je peux pas me faire sortir par contre. Non, ça va. Cette saleté de créature est vraiment rapide. Mais par contre, je pensais que je pouvais les choper en étant accroché à un rebord. C'est pourri ça. Mais elles vont pas bouger. C'était évident. Putain. Oh là là, je vais regarder à de l'extérieur s'il n'y a pas une croix ou un truc comme ça justement pour descendre par là. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, les amis. Vraiment pas. Et j'ai pas eu de chance aussi du fait que l'autre là il a mis trois plombes à voir qu'il y avait un mort. Là, y a aucune croix, y'a que dalle en plus. Parce que là c'est méga trop haut. Je suis sorti, mais alors je me demande comment. Non, non, j'ai pas le choix là. Et puis rallume pas les salauds. Là par contre ils sont en retard sur leur garde. Ah non, il va rallumer l'autre. Fait chier. Il est parvenu là. Oh putain les cons.
cette fois-ci, il n'y en a pas qui monte, hein. Descendez tous. Ouais, c'est bon. J'ai été touché une fois, mais... Oh, l'inquisiteur, là, si je pouvais m'en débarrasser. Il va tout rallumer. What was that noise? Merde. J'ai oublié de me baisser. Allez, hop. Ça valait un peu la peine quand même de me faire repérer, parce que là je me suis débarrassé de deux personnes. Le bourreau et l'inquisiteur. Allez hop, dégage. J'ai juste sacrifié un tout petit peu de vie, mais ça en valait la peine, je pense. Je pense. Kerberus est toujours tranquille pour l'instant. Bon, maintenant, le problème, c'est les deux gros, hein. Ils ont repris leur... Ah oui, il y a les travailleurs aussi. Mais ils sont pas simultanés dans leur ronde. Les travailleurs, ok. Il y a un chevalier aussi qui fait quelquefois son apparition, mais pas constamment. Ah merde. Ah, je crois qu'il est au fond. Hop. Ici, personne ne peut me voir. Oh, quel dommage que je puisse pas les tuer, ces deux-là, là. Alors ouais, la planque, elle est là, mais... D'accord. Oh putain, il y a l'autre au fond, là. Qu'est-ce qu'il fout, le travailleur, là? Fait un peu chier. J'ai combien de médailles? 4 sur 30. Ah ouais, il m'arrange pas du tout, lui. Hein. Je vais essayer de buter le chevalier en premier. Oh putain, il y a quelqu'un d'autre. I'm sure I heard something. Wanna play hide and seek, eh? Alert! There's a body! Alright. What? You'll be sorry if I find you, you little green skin. Oh non! Je savais pas qu'il pouvait faire. Voler. Putain, je voulais le pousser, bon sang. What? Ouais, bon. I got it.
voulais le pousser. Si j'avais pu le pousser, alors là, j'aurais sauvegardé direct. J'en avais rien à foutre de sa fiole, j'en ai trop d'ambre. Oh là là. C'est la merde. Putain, et si les clones ils pouvaient tuer aussi, ce serait tellement plus facile. Mais c'est pas le cas. Ah ouais, au fond j'ai un chevalier et j'ai trois travailleurs. Oh là là. C'est la merde, hein. Putain, mais ce passage, quoi. Ouais, je vois des trucs là d'ailleurs. Je vois même un médaillon. Ah, donc c'est pas la fin de la partie. Oh là là. Mais comment je peux faire? Bon, cela dit, je me demande si je peux passer quand même sans me faire voir. Parce que Kerberus, là, je lui ai ouvert la voie. Il y a juste les deux gros à passer... sans qu'il se fasse voir, le vieux. Et après, normalement, vu que c'est une petite planque, il fait son petit truc après, hein. Donc, moi, je vais passer sans me faire voir. Je vais essayer d'ignorer tous les cons, là. Et bon, il n'y a personne. Je m'éteins tout ça, hein. Stupide pour interagir sur les torches. On va essayer de passer. Oh non, trop rapide. Merde. Ah putain. Il tire bien, c'est con. Fait voir et que je les amène ici, que je peux tuer tous les mecs sauf les deux en armure, ça peut peut-être le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut me faciliter la tâche. Putain, c'est vraiment dommage que je puisse pas tuer qui que ce soit avec le clone, hein. Parce que je peux vous dire que je l'aurais fait depuis longtemps.
de lancer. Je me demande si je vais pas en abuser. Hein. Branle la nouille. Je vais les utiliser, hein, tant pis. Hein. Voilà. Voilà. Ça m'en fait déjà deux en moins. Ce qui n'est pas anodin. J'ai l'impression qu'ils ont échangé l'essence de tour de garde là. Il y en a un qui va à l'envers, non? Attendez, j'aimerais bien lire leur. Ok, hein. Ok, non, c'est bon, ils reprennent par le même sens. Alors, la torche là, on va éviter de l'éteindre maintenant. Voire éviter de l'éteindre tout court. Pourquoi il fait demi-tour? Il reste toujours lui. Je prends un risque, mais amoindri. Je vais prendre une nouvelle... un nouveau bloc. Détends-toi, hein, ils sont morts, c'est foutu pour eux. Du coup, le médaillon, là, je vais pouvoir le choper. Voilà. Le sable, je prends. Ça, j'éteins. Je vais leur foutre misère aux deux là. J'éteins tout moi. Ils vont rien, ils vont même pas s'en rendre compte ces abrutis. Voilà, beaucoup plus praticable. Parfait. Oh putain. Non. Heureusement, ils n'étaient pas là. Heureusement. Alors là, il y avait une salle spéciale, si je me souviens bien. Voilà, comme ça, je dépense pas de d'ambre. Les contrebandiers sont toujours en bas. Rien, évidemment. Putain, fait chier. Je me rappelle la première fois ici, il y avait quand même pas mal de petites choses. Là, c'est vide.
rentrer, lui encore. Ok. Je vais éteindre ça. Parfait. On va déverrouiller. De toute façon, je risque plus grand chose. Ouvrir. Parfait. Je vais effacer l'autre. Je suis à 49 minutes. On va pas tarder à s'arrêter. Alors là, j'ai un mec ici. J'éteins tout. Je veux plus qu'il y ait de preuves ou quoi que ce soit. Faites voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a un inquisiteur. Je crois qu'on a un gros au fond. Ah non, c'est un chevalier. On a deux inquisiteurs et un travailleur. Là, on a des insectes. Les contrebandiers sont encore plus bas. Ok, et si je passe par là? Là, c'est là où il y a les insectes, on est d'accord. Les inquisiteurs ne viennent pas jusque là. J'ai un et deux, un gros insecte et un petit. Faire en sorte de tuer le gros. Je vais me cacher ici. Alors, il va me regarder. Ça va être dégueulasse. Ah non. Alors on va attendre qu'il reparte là d'où il vient. Alors le problème c'est que si je sors, il risque de m'entendre. Et voilà. Parfait. Allez, lui, je vais le buter. Comme ça, c'est merde, on sera plus emmerdé. Voilà. Du ménage. S'accrocher, non. Bah, c'est bien dommage. Alors je suis à 51 minutes, mais j'ai aussi démarré mon chrono un peu en retard. Donc on va s'arrêter ici. Voilà, je vais sécuriser juste un peu l'endroit. Ok, et là j'ai les deux. Très bien. Et ça, je peux pas éteindre. Bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a quand même plu. J'ai bien galéré, mais on trouve quand même une issue, hein, une échappatoire. Voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude. Et je vous dis bah, à bientôt bah, pour la suite de Styx, Master of Shadow. Salut les amis.